Avant 1789, avant la Révolution française, tout le monde au Moyen-Âge, là, on parle de deux classes dominantes. On parle de le clergé et la noblesse. Tu vois, quand je fais partie du clergé, ni la noblesse, telle phrase-là, non oh, ni tout, Dieu ne parle de ma classe. Et défavorisé, c'est pas sa fête, Dieu va avoir pitié pour vous, parce que les nos classes défavorisées, non? Il y a la volonté souveraine de Dieu, il a fait mes gènes et il prend un côté. Amen. Comment on dit que Dieu a fait ça pour nous? Amen. Et puis, Mabdou, pas qu'il te baigne dans la boue, ou son l'or. Le monde qui travaille dans la mine, je le tombe sous, la prendre son l'or et puis la porte. Comment vous dites amen, Jésus tombe sous l'eau à chaque fois. Vous dire alléluia. Alléluia. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Mais oui, tu es parti d'abord. Il dit de vous-même, non seulement tu seras perdu une multitude, je ferai le droit. Et de vous-même, toute la terre sera bénie. Et regardez comment Satan jouait le jeu à travers Sarah. Sarah tombée, elle jouait là, descend dans l'Égypte lors de la famine, montait avec une femme Agar, une esclave, et puis elle montait sous les chaînes de marée, recevoir trois visiteurs, pas au manger, recevoir eux, et puis prononcer une bénédiction, et puis Sarah rit, parce qu'elle dit, Sarah qui est pour l'enceinte, Sarah qui est pour le faux enfant mal, parce que source de bénédiction, alliance que Dieu va faire avec Abraham, non, c'est pas fils de l'esclave, mais c'est fils légitime. Oui, où va faire Isaac? Mais le jouet de Sarah, Abraham, allez, moi, ma grand-mère en âge, mon bête, mon affaire, mon opposé, ça n'existe plus. Pour m'a des sensations, m'a des désirs, m'a des soins, même l'homme a des sensations, c'est Dieu qui souffre de toute sensation, c'est Dieu qui souffre de tout désir. Pas des moyens pour monter, mais c'est Dieu qui fait pour monter. Amen. Et oui, Isaac, désigné comme fils unique d'Abraham, malgré Abraham avait Ismaël, malgré après la mort de Sarah, Abraham avait d'autres fils, avait plusieurs d'autres femmes, mais Isaac fut le fils unique. C'est-à-dire, à partir de lui, la promesse de Dieu, de vous-même, la terre va bénir, ou va source de bénédiction. C'est-à-dire, dans la lignée d'Abraham, va venir une pour porter délivrance à l'humanité. Eh bien oui, Isaac, rencontrer Rebecca et Isaac connu Rebecca en tant que femme et l'enfant de Rebecca t'es deux petites, t'es Jacob et t'es Isaïe. Toujours avec Dieu à partir, homozygote et hétérozygote. Vous n'y êtes plus, vous n'y êtes plus. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Vous m'avez porté deux petites dans votre lit, mais Dieu dit c'est ça ma part. Et pourtant la Bible a dit Dieu n'est pas un Dieu, favoritiste. Favoritisme n'existe pas. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu n'a rien pas. Mais sinon Dieu il est souverain. Il fait salver à mon niveau, l'aile, je le blé. Dieu qui apprend n'importe quoi là, souffle grâce sur lui. Il met des forces sur lui. Elle qui apprend au milieu de la foule. Peut-être le plus souvent c'est vous qui n'avez pas de penser, on va t'espérer. Mais vous-même, vous n'avez pas de penser si c'est où Dieu t'a pas saisi dans la dimension ça. Comment vous qui comprenez ça ce soir? Dieu qui a fait tomber toute apparence. Non, Esaü, c'est pas où? C'est Jacob. Jacob donna naissance à 12 fils. De 4 femmes différentes. 2 sœurs et 2 servantes. De chaque sœur. Et Dieu partit avec ces liens-là. Et qui va devenir une grande nation, un grand peuple, une grande histoire vécue en Égypte. Mais attendez bien, il est question. À partir d'Abraham, Dieu constitue une famille, un groupe, un peuple. Et c'est ça fait après l'Exode, lorsque le peuple a sorti en Égypte, et puis lorsque, sous la baguette de Moïse, et puis Dieu va le former à travers le peuple, un État, une nation. Et Moïse recevoit les 10 commandements, Moïse recevoit le catalogue. Moïse va promulguer le royaume. Différentes lois, loi morale, loi cérémonielle, tout type de préceptes. Pour vivre en société, d'abord en matière à agriculture, et comment pour considérer les animaux, sous qui mes bêtes, mon jardin, mais comment pour faire, tout type de lois, et comment pour vivre avec nous, par rapport aux étrangers, par rapport aux prochains, qui est-ce qui est prochain, comment pour vivre toute loi, ça, et puis ce peuple a vu devenir une nation. D'où c'était le peuple de Dieu. Mais non, bien. Les gens
que Dieu a une naissance, il y a une grâce, bon Dieu, sur lui. Vous entendez ça, me dire? Ou en tout terme, qui a mis entre guillemets, monde que Dieu a une naissance, il y a une onction, bon Dieu, sur lui. Ou pas capable de choisir de Dieu, choisir par Dieu, pour entre guillemets, pour mettre onction de Dieu. Amen. Abraham, c'était le moins de Dieu. Abraham devait recevoir onction de Dieu. Depuis le jour même que Dieu le dit à Abraham, je ferai de toi. Abraham, tu vas quitter ton pays, ta famille. Ou va quitter terre natale. Aller vers une région inconnue. À partir de ce moment, Abraham est devenu un roi de Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de roi si au départ, on va recevoir un appel. Abraham a reçu l'appel de Dieu. Et puisque Abraham reçu l'appel de Dieu, et de vous recevoir l'appel de Dieu, ça coïncide avec la bénédiction de Dieu. Est-ce que l'on est en train de dire cela là? Qui s'en dit? Qui s'en dit? Qui s'en dit? De vous recevoir l'appel de Dieu, ça coïncide avec la bénédiction de Dieu. C'est comme si vous avez dit, le jour qu'on t'a fait de vous, t'a fait ce jour-là comme le jour du salut, le jour de votre salut, c'est-à-dire le jour qu'on t'a répondu à l'appel. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Même si péché était rouge de boucra moisi, vini m'apprendre du blanc de la neige. Paul disait, Jésus était venu pour sauver les pécheurs, mais moi je suis le premier. C'est l'appel de la délivrance. Le jour qu'on répond positivement, c'est ça, le jour salut. Et le jour répond à travers le jour salut, c'est-à-dire ou accompagné de bénédiction commencer ce jour même. Mal fini beau. C'est-à-dire, combien de Dieu est mal fini? Mal fini beau. Danger fini. Ou on est dans la catégorie des rois. Ou on est dans la catégorie des gens qui reçoivent onction. Ou on est dans la catégorie des bénis. Combien de monde qui sont des bénis de Dieu ce soir? Quelques mains des bénis levées. Et puis pour dire gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tout le monde qui songe des jours, bénédiction est initiée dans la vie. Bonjour, pas qu'à oublier, je salue. Jour des jours, salut ou pas qu'à oublier. Me rappelez bien, c'est ton deuxième lundi d'octobre 1980. Maman mouille en juillet. Août, septembre, octobre. Et où madame, mon nom ici, quand on fait, moi monté. T'es mon cellule de prière à la Kaili. Et puis, pendant que monsieur René Oswald et qui finit de prêcher, et puis, on est au taille, ma bu, et puis monsieur finit de prêcher, et puis après, dame, non, Jésus voulait sauver, Jésus revient, même Jésus qui a servi de père et de mère. Et puis, t'es que somme 27 ans après, depuis un petit monde petit à Marie, si ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'éternel te recueillera. Les papes qui t'ont orphelin. Et puis, m'a résisté, et puis c'est comme si je me sentais en force, qui me mettait ma genou. Et puis, je me recevoir juste à lui, non. Et à partir de ce. À la seconde même, nous devenons un enfant de la bénédiction. Amen. Amen, 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 amen. Regardez mon côté, dit le jour même, vous recevoir salut, malédiction finie. Levez mon Dieu, alléluia. Alléluia. Mais regardez, c'est vrai, Moïse, Dieu va permettre à Moïse de conduire ce peuple de la terre promise, de la terre de la Palestine, de la terre de Canaan, sinon sous baguette de Josué et peuple ça. Mais pour constituer le peuple de Dieu. Mais bon bagaille pour comprendre. Dieu va mettre nous dénouer, Dieu va mettre sa propre loi. Mais peuple ça de l'ensemble, c'était le peuple qui recevait l'onction de Dieu. Malgré dans l'Ancien Testament, tout le monde est distinctement, individuellement, pas de recevoir l'onction. Onction était de façon particulière sous quelques mounes. Que Dieu te relève dans la société. Mais bon, bagaille pour moi, non seulement l'onction était sur quelques individus, l'onction était individuelle à l'époque, quelques rares personnages au sein de la société, mais le peuple Israël dans l'ensemble, l'onction, mon Dieu, était sous lui. Mais comment ça va se faire? Nous disons, quelle contradiction à mettre là? Nous disons ça parce que c'est une option, il n'est pas sous tout le peuple là, il était sous quelques mondes que Dieu t'a relé. Et nous disons ça, le peuple Israël dans l'ensemble, il était monde qui était sous onction, mon Dieu. Attendez bien. Gon bagay que onction portée, que nous allons développer plus devant vous. Les onctions dans la vue,
ou pas jamais connu défaite. Ou pas répéter samedi, qui samedi, qui samedi? Ou pas jamais connu les onctions bon Dieu dans la vie. Merci pour qui dit onction bon Dieu. C'est très bien parce que c'est pas les enfants d'Israël qui viennent avec la notion d'onction. Les peuples aux alentours, les peuples de l'Antiquité, ils étaient utilisés à faire onction. Ils étaient même conseillés de feuilles de l'huile qui a frotté sous mon eau. Mais avec Dieu, ils ont un sens particulier, ils ont l'autre sens. Regardez, à chaque fois, le peuple d'Israël obéit tant de la voix de Dieu parce qu'il nous dit qu'il devant le peuple là. Les marchés de victoire en victoire. Amen, 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 amen. Regardez après la traversée de la mer Rouge. Peuple a guidé par deux colonnes. Une colonne pendant le jour, une colonne pendant la nuit. Une colonne de nuée et une colonne de. Et deux colonnes, ça a été symbolisé la présence de Dieu. La présence de Dieu réside le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était au service de qui est-ce? Le service des enfants d'Israël. Si la présence totale de Dieu était là, ça veut dire que tout le peuple était sous onction, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Le peuple était entouré par l'onction de Dieu. Parce que à quelque part, l'onction symbolise la protection. Amen. Comme le monde qui t'a dit ça m'a dit là. Qui sont en train de me dire? Qui sont en train de me dire? Levez-moi, on dit alléluia. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Attendez, Dieu va venir avec cette affaire d'onction. Parce que Dieu, il est un Dieu saint. Son Dieu qui exigeait mise à part. Dieu voulait, voilà, Moïse va le répéter, il va le dire. Dieu nous montre son Dieu qui est saint. Il voulait tout pour nous, saint dans toute conduite. Nous. Paul va le reprendre au chrétien de Corinthe. Quand il va le dire, séparez-vous du milieu de Dieu. Pas de rapport entre bon Dieu et ton idole. Entre Christ et Bélial. Il dit, Dieu crée les noirs, notre Dieu est un Dieu saint. C'est-à-dire, il exigeait pour nous marcher dans la sainteté. Pour nous marcher dans la sainteté. C'est-à-dire que Dieu te fait exigence. Exige ça aux enfants d'Israël. Il développe pour le peuple d'Israël marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est-à-dire marcher sous principe de l'onction. Les enfants d'Israël étaient constitués comme une grande assemblée autour de Yahweh. Comme une grande assemblée autour de Yahweh. Terme que utilisé comme Kaal. Q-A-H-A-L. Kaal, c'est lui-même qui a une équivalence en grec, ecclesia. Comme Dieu dit à Moïse, Kaal, mon peuple. C'est-à-dire lorsque Dieu voulait convoquer le peuple-là. Le mot Kaal lui expliquait la convocation, réunion. Quand Dieu va dire à Moïse, demain au pied, rassemble le peuple-là au pied du mont Sinaï. C'est-à-dire, le mot église n'existait pas à l'époque. Quand on parlait le sens figuré, malgré que plusieurs écoles qui ont expliqué dans l'étude ecclésiologique, quand il dit l'église n'a été remontée, il y a un texte Genèse 3. Il parlait de la théologie de l'Alliance. Il dit non seulement à partir de texte Genèse 3, l'église a été là. Qui dit la théologie de l'Alliance, qui dit l'église a été là depuis du temps d'Abraham. Qui dit l'église a été là, même du temps de Jésus-Christ. Qui dit l'église a pris naissance avec Jean-Baptiste. Tout n'est qu'à parler pour expliquer non, où et quand l'église prend naissance. Chaque n'est pas un point de vue. Mais l'église n'a pas existé. Mais t'es qu'on assemblé. T'es qu'on peuple. Que t'es le peuple d'Israël. Et Dieu t'a exigé pour marcher dans la sainteté. Parce que Dieu a son Dieu qui? Il dit, moi son Dieu saint. Moi, nous-mêmes, c'est pour nous saints dans toute conduite. Nous. Son Dieu dans toute essence, dans toute caractéristique, il est lié dans la sainteté. Et ça fait, les rois de Moïse, après à l'âge de 80 années, dans le monde, qui est du feu, pas qu'on fait le bois qui a brûlé, pas de la fumée, pas de sonne. Et puis Moïse allait pour loin. Et puis voit Moïse retirer soulier dans le pied. Parce que le lieu côté là, son lieu qui? Retirer sandales dans le pied. C'est-à-dire qu'il y a un changement de zèle, un changement de piété. Exercice de piété côté en Égypte là, il faut le changer. C'est pas même Dieu qu'en Égypte il y a en face, mais en face le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il exigeait la sainteté. Là, mais l'église a dit sainteté. On a dit bon Dieu, m'en voulait sainteté. C'est-à-dire tout ça le moyen, tout ça le toucher, tout ça qui a rentré de vol, qui a sorti de vol, lui exigeait la sainteté.
la sainteté. Et c'est ça fort. Vous voyez, l'expression onction, libre à rentrer dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines. Par exemple, depuis mon onction par naissance, nous jouons, ça a relé, le mot consacré pour le service. Consacré pour le service. Dieu, ce n'est pas seul, nous nous demandons pour consacrer pour le service. Tous les objets qui sont au service de Dieu. Amen. Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Tout sont servis pour mon Dieu. Quel des textes, par exemple, sous la ligne Exode 30, verset 29. Sous ta livre, par exemple, dans Genèse 28, verset 18. Dieu exigeait cette consécration. Dans l'église, il y a ensemble avec consécration. Consécration. Consécration veut dire adonner, by view. Comprenez? Attacher totalement à Dieu. Au nom de Dieu, dédier la vie. Dédicacer tout ou même pour mon Dieu. Et ça pour mon Dieu, pas qu'à pour l'autre monde que pour mon Dieu, c'est. Lorsque Nebuchadnezzar fut envahi la ville de Jérusalem et déporté à plusieurs reprises, peut-être 3 ou 4 déportations, début vers la fin du 7e siècle, vers les années 606 avant Jésus-Christ, il a pris tout ustensile qui était dans le temple. Il a pris tout ça qui existait, tout ça l'Éternel t'a demandé pour te détacher, pour attacher, pour décorer le temple, tout ça qui est en or. L'armée Nebuchadnezzar prend tout. La Bible dit qu'on voit les Belshazzar. Pendant la nuit, monsieur a pris les îles, monsieur a diverti, monsieur a boit à faire la boire whisky, la manger pour le grillé, la manger barbecue, et puis plusieurs femmes à côté. Monsieur sous, la manger cabri pour connaître. Toutes bêtes pour connaître cabou grané. Monsieur est sous. Et puis, ma compte ça pour monsieur. Monsieur est senti. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sous là. Et puis, monsieur a pris les ustensiles. Les coupes de Dieu. Les coupes qui étaient dans le temple. Et puis, monsieur a boué là-dedans. Et tandis que c'était des coupes sacrées. Des coupes qui recevaient onction. Amen, 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 amen. Vous voyez, tenez une dans sa vidéo, Capri. Tout ça consacré pour mon Dieu. Il n'y a pas qu'à faire l'autre bagage que l'été au service de Dieu. Amen. Par exemple, il croit ça. Nous dédier pour mon Dieu, nous prier sous lui. Aucun leader politique pas capable de prêter pour nous faire meeting dehors. Mixer ça n'est pas capable de pour faire manifestation, pour faire mal. Dieu va nous poser pour nous. Qui vote ça? Tambou ça? Le fait que ça fait depuis instrument en ville là, nous devons longer main pour nous prier sous lui. Si il n'y a pas erreur, elle ne va pas faire tout ça pour être venu et elle va trop tard. C'est pour nous mettre main au nom de Jésus pour nous actionner. Pour diable, pas connaître rien dans ça. Diable, pas ni part ni portion. Ça, c'est l'affaire de. Attendez bien. Si instrument, si ustensile, car bon Dieu, les objets, c'est Dieu consacré, ils recevront onction, ils ouais avec l'huile. Parce que chaque l'huile, ils ont ordonné à un type d'onction en particulier. Ça veut dire. Attendez bien. La construction de la vernacle, Dieu cite non à Moïse. Il dit qu'il y a tel type de nègre, nègre qui pourrait tailler pierre, nègre qui pourrait couper bois. Chaque nègre, bon travail, il pourrait le faire, et puis bon Dieu mettait l'esprit sur lui. Ça veut dire qu'il y a bon Dieu, chaque ça au monde a fait, bon Dieu mettait l'esprit sur lui. Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Chaque ça a fait, bon Dieu mettait l'esprit. C'est pas où pour mettre l'esprit, mon Dieu, sur non? C'est bon Dieu mettre l'esprit sur. C'est pas où pour rentrer tête ou non? C'est Dieu qui. Le bébé, on dit alléluia. 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 Les enfants d'Israël, c'est Dieu choisi. C'est d'abord Dieu